Parfois, le journal filmé se répète. J'attends Bérénice, place Hoche à Rennes. Le midi, nous mangerons à Beaubourg dans un petit restaurant du côté de la place des Lys. Ensuite, Bérénice passera l'épreuve de pratique artistique du concours d'entrée à l'école européenne d'art de Bretagne. Elle sera reçue et y entrera en septembre prochain. Dans le journal filmé, tout est écrit à l'avance. Maintenant, direction le musée des Beaux-Arts. Ah bah faut être motivé quoi. Le temps du journal filmé s'étire, se dilate. Plus j'avance et plus l'écart entre le temps du tournage et celui du montage s'amplifie. Aujourd'hui, 17 mois. Au commencement, un épisode recouvrait une semaine de tournage. Aujourd'hui, je fais deux épisodes sur un seul jour. Je m'attarde, je multiplie les points de vue, j'utilise chaque plan tourné. Je tire, j'étire, comme pour ralentir le temps, faire durer. Je suis pris dans une étrange dynamique qui m'échappe. Ironiquement, je pourrais la nommer tectonique des plans, à l'image du modèle scientifique qui explique la dérive des continents. Les plaques, les plans, c'est toujours une histoire d'image et de photographie. Une unique certitude, jamais je ne parviendrai à rattraper le temps du journal filmé. C'est peut-être cela qu'il faut accepter, dériver, aller au gré des vents et des courants, se perdre, pour avoir une chance de retrouver son chemin, image après image.